Du coup, normalement, avant de voir cette vidéo, vous devriez avoir déjà vu la vidéo sur ordinateur. Alors, il y a l'option calendar, là, vous voyez? C'était l'icône ici. Si vous avez un autre système, essayez d'éviter, parce qu'il y a quand même des standards et des pas standards. Vous tapez calendar ou calendrier sur Google, et vous prenez la version qui est publiée par Google, Google Calendar, le vrai Google Calendar. Sinon, vous n'allez pas forcément retomber sur exactement la même option. Alors, quand vous arrivez ici, vous avez les trois petits trucs à gauche. Vous avez vu les trois à gauche là. Et alors, moi, j'ai le choix ici de ce qui s'affiche, vous voyez. Mais si vous avez vu sur l'ordi, c'est pas vraiment la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas été dans Settings et j'ai pas choisi ce que je synchronisais. Alors, il va falloir que je le fasse, il va falloir que vous le fassiez. Mais Event, ben c'est mes trucs personnels, c'est quand même bien qu'ils soient activés, c'est de base. Mais par exemple, Anne-Marie, elle est synchronisée. Solange, elle est synchronisée. Anne, elle est synchronisée. Et puis elle est vide puisque je viens de les changer en fait, puisque j'ai rajouté les numéros de téléphone. Et du coup, tout ça, c'est pas synchronisé. Et il faut que je le fasse manuellement. Et vous, pareil, si vous l'avez rajouté sur l'ordinateur, eh bien, vous allez devoir l'activer ici. Ah bah ouais, parce qu'il y a plein de profs que j'ai rajoutés, plein de trucs que j'ai fait. Mais voilà. Et alors après ça, automatiquement ça s'affiche ici. Et alors vous pouvez choisir si vous l'affichez ou si vous l'affichez pas. Attention, pas confondre. C'est deux choses différentes. Ici, c'est est-ce que les informations sont synchronisées avec votre téléphone? Et ici, c'est si ça s'affiche ou pas. C'est pas la même chose.